Good morgen, allez, Idan et Tius, aujourd'hui le Lunishmat, mon Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman, Shlomo Binyamin ben Mazal, ainsi que le Fouad Sarah ben Betirivka, Raphaël Zbon ben Raya, Miriam ben Kassel, le Tor Shachol Israël. Si vous souhaitez vous aider à une prochaine étude de Mishnah contactée à 5 minutes éternelles, nous étions à Masechet Cholin, Perek Bet, Mishnah Tet. En Shochatin, l'eau l'étoch Yamim, velo l'étoch Neharut, velo l'étoch Kelim, aval Shochet, ho l'étoch Uga, Shalmaim, ou Basfina, Agabe Kelim. En shochatin leguma kol ikar. Aval ose guma betoch beito, bishvil shiikanes hadam letocha. Ubashuk lo yaseken, shelo yechake et haminim. Encore une Mishnah qui va nous parler de Avodah Zara. Désolé, mais je suis un vrai ignorant en la question. Donc je vais traduire et expliquer ce que j'ai plus ou moins compris. Je ne connais pas Baruch HaShem, toutes ces pratiques bizarres et superstitions, ça ne me concerne pas du tout Baruch HaShem. En tout cas, on commence par traduire. En Shochatin, vous vous rappelez, dans la Mishnah précédente, on avait appris d'abord qu'il y avait des gens qui égorgent pour, en l'honneur de la mer, en l'honneur de toutes sortes de la montagne, ou du désert, apparemment plutôt sur la... soit pour le désert lui-même, peut-être que par là il s'imagine qu'il va être sauvé en traversant le désert, j'imagine que c'est à peu près l'idée qu'il a, le gars, quoi. Et puis, à présent, donc, dans la Mishnah précédente, on a parlé des actions qui étaient interdites à faire et qui ont validé la Shrita. À présent, dans notre Mishnah, on va parler, pour le commun des bons juifs, de ne pas faire certaines actions, de peur que ceux qui vont les voir vont douter d'eux qui sont en train de faire de la Avodah Zara, ou même de la, je sais pas si vous dire, de la superstition, comme ce qu'on verra dans la suite de la Mishnah. En shochatin lo letoch yamim. On n'égorgera pas un animal dans la mer. Vous imaginez bien, quand on fait une shrita, il y a plein de sang. C'est sale. Alors maintenant, quelqu'un a envie d'être propre, j'imagine, c'est peut-être pour ça. Il va partir faire la shrita dans la mer, ou bien, tout simplement, parce que ça l'arrange, c'est plus pratique. Ouais, ça évite, c'est vrai que ça, concrètement, ça évite ensuite... imaginez qu'il a sa tente, il est parti faire du camping au bord du lac de Tveria, et puis il revient égorger son poulet. Le problème, c'est que s'il va commencer à l'égorger sur le sol, et ben, il va y avoir toutes sortes de mouches, donc il veut le faire dans l'eau. Bonne idée, non? Eh ben non, il ne peut pas. On n'aura pas le droit de l'égorger dans les mers, ni velo letor neharot, ni dans un fleuve. Velo letor kelim, et il ne pourra pas non plus faire la shrita, de manière à ce que ça va couler directement dans des ustensiles. Les deux raisons, donc il y a deux choses différentes. Il y a dans la mer et dans les fleuves. Alors la raison, c'est de peur que celui qui le voit va douter de lui qu'il est en train de faire la Avodah Zara à dégorger. C'est une forme de service pour la mer ou pour le fleuve. Il attend quelque chose de la mer ou du fleuve qui va apporter des bons poissons pour demain. Et donc il va lui rendre son honneur, il va lui offrir du sang de... D'accord, il va lui faire un corban. Donc, de peur qu'on va le soupçonner de faire de la Avodah Zara, donc on interdit de faire la shrita directement dans la mer. Les torkelim devaient faire dans des ustensiles. Vous imaginez que c'est un peu embarrassant, mais il y aura une solution. Vous imaginez aussi, c'est quand même plus pratique de... Je connais Mourav, Reb Shmuel, Zichron Al-Vacha. À l'époque, avant Rosh Hashanah, il y avait un ami qui était Shochet, qui avait amené un mouton dans son salon. Ils avaient tout organisé très proprement, de manière à ce qu'il voulait lui faire la shrita, pour qu'il puisse poser la tête de mouton sur la table. En tout cas, concrètement, il a fait une shrita dans une maison. Vous imaginez comment c'est salissant. Bon, eux, ils avaient tout recouvert d'albal, d'aluminium. Ça aurait été quand même plus pratique de trouver... Imaginez, vous trouvez un gros ustensile, un gros récipient, vous mettez là-bas le mouton, vous l'égorgez, ça tombe dedans, puis après vous prenez tout ça, vous allez le jeter dehors. Eh bien non, la Mishnah, elle interdit de faire ça. On n'a pas le droit d'égorger dans l'ustensile. Pourquoi? De peur qu'on va le soupçonner de récupérer le sang pour aller ensuite l'asperger sur un autel de Avodah Zara. Jusque-là, ça va. C'est en vigueur même aujourd'hui. Ça a apporté dans le Shulchan Aruch, histoire de mieux comprendre un petit peu la Mishnah, je suis parti voir la Halakha Le Maaseh, c'est un bon système quand on découvre des Mishnayot, quand on ne comprend pas grand-chose, d'aller voir dans la Halakha comment ça s'exprime, comme ça nous permet d'avoir un petit peu plus de comprendre concrètement comment était la réalité. C'est rapporté tout ça dans le Shulchan Aruch, avec quand même une petite remise de peine à la fin. C'est qu'étant donné qu'aujourd'hui, les goyim n'ont plus ces usages en vigueur, ne pratiquent plus comme ça leur Avodah Zara, alors on a gagné que nous, si quelqu'un l'a fait, a posteriori, on n'interdira pas la Shrita. D'accord? C'est comme ça, c'est rapporté dans le Siman Yud Bet et dans Yoredea. Tout ça, la route qu'on apprend ici, c'est Siman Yud Alef et Yud Bet. Dans la fin de Siman Yud Bet, à la fin, le Rama, il rapporte, et c'est vraiment aussi, c'est Shachetaz, les deux en même temps, qui nous disent qu'à notre époque,
Les goïms n'ont plus ces usages de faire l'avodazar de la sorte. De ce fait, ça nous fait une remise de peine pour nous. En tout cas, a priori, il faut interdire, donc on n'aura pas le droit d'égorger de faire la shrita, l'abattage rituel, dans un ustensile pour récupérer le sang. Par contre, aval shochet hu letoch uga shel maim. Par contre, on a le droit de faire une shrita dans une uga. Uga, c'est une petite crevasse, un petit puits. On a creusé un petit trou dans la terre. Imaginez, j'ai pris le parfait exemple de celui qui va s'y faire du camping en bord de mer. Et donc, lui, il s'est égorgé, bien sûr, il n'a pas de problème, il mange des poulets tout frais. Et puis, il aimerait bien avoir un endroit propre. Donc, on a une solution pour lui. C'est qu'il creuse un petit peu et qu'il mette de l'eau dedans. On va voir ensuite qu'est-ce qui se passe s'il creuse et qu'il ne met pas d'eau. D'accord ? On en parlera après. Mais pour le moment, on lui donne une solution. Tu veux faire les choses propres, tu creuses, tu verses dedans de l'eau. Et quel est l'avantage de mettre de l'eau ? Cette fois-ci, peut-être qu'il vaut mieux continuer jusqu'à ce qu'on arrive au trou, en fait, et on va expliquer ensuite. Ou basfina al-gabe kelim. Aussi, dans un. S'il est dans un. Autre permission qu'on lui donne, c'est s'il est dans un bateau, dans une petite barque assez étroite, et il n'a pas envie de faire la shrita dans sa barque, parce que là, il va baigner dans le sang, c'est un peu désagréable. Donc, quelle solution on lui donne ? Dans la sfina, si tu es dans un bateau, on te permet de faire la shrita dans des ustensiles. Parce que dans ce cas-là, on comprend bien que tu fais la shrita dans des ustensiles, non pas pour le jeter à la Vodazara, mais plutôt pour ne pas salir ta petite barque. Donc là, tu auras une permission. Et je continue encore une phrase, après je reviens sur la phrase précédente. En shochatin neguma kol ikar. Par contre, on n'a pas le droit de creuser dans une crevasse en aucun cas. C'est-à-dire, je vais avoir un endroit propre, je creuse, comme ça je rentre dedans avec mon mouton, et je lui fais la bachrita, interdit à faire. Si je veux permettre, il faut nécessairement mettre de l'eau. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas, le droit d'abord d'égorger dans la crevasse, si elle est vide d'eau? Il y a apparemment deux raisons sur ça. Comme ça, j'ai rapporté, c'est plus rapporté dans la fin. Dans le Bartanoï, il nous rapporte que c'est juste un choc minime, comme ça a été évoqué d'ailleurs à la fin de la Mishnah. C'est un usage des superstitieux, des minimes, des minimes d'Afka, c'est plutôt les Sadducéens, initialement. On les appelle comme ça, mais en réalité, vous savez bien, le Talmud a passé plusieurs censures tout au fil du temps. Donc il est probable qu'en réalité, c'était pas vraiment les minimes, mais c'était plus les goïmes, mais on ne peut pas les froisser, alors on a remporté les minimes, c'est fréquent, donc du coup, on ne peut pas tellement se fonder sur le mot. En tout cas, comme ça, il rapporte, d'ailleurs, il y a une autre Nostra, une autre formule du livre, où il y avait écrit, à la fin de Mishnah, qu'il y avait marqué, c'est pas minime, mais c'est Zokim. En tout cas, il y avait des usages comme ça, païens, où... Alors, j'ai pas tellement compris, quoi. Il récupérait le sang, il le mettait dans un... Une fois qu'ils avaient fini la shrita, il laissait le sang dans un trou, puis après, il venait manger à côté. Peut-être qu'il voulait faire un petit coup, je sais pas qu'est-ce qu'il croyait dans leur superstition. En tout cas, pour ne pas qu'on soupçonne d'appartenir à ces sectes, donc il n'a pas le droit d'égorger dans un trou. Mais on lui donne la solution. Alors maintenant, je reviens sur la phrase précédente. Si toutefois, il y a de l'eau, c'est permis. Ah, il y a une deuxième explication qui est rapportée. C'est de peur qu'en fait, il est en train de réceptionner le sang pour ensuite aller l'asperger aussi sur la Vodazara. C'est aussi une raison évoquée. En tout cas, quelle que soit la raison pourquoi c'est interdit, si toutefois il met de l'eau, ça devient permis. Si toutefois il met de l'eau sale, pas limpide. D'accord ? On va expliquer pourquoi tout de suite, mais pour l'instant, s'il met de l'eau, donc dans ce cas-là, de l'eau, c'est sûr que, selon les usages, si c'est les païens ou si c'est les idolâtres, eh bien, on ne réceptionne pas le sang dans de l'eau. S'il y a de l'eau, ça invalide tout le rituel bizarre qu'il pouvait faire. Donc tu as le droit de mettre de l'eau. Maintenant, on insiste malgré tout qu'on ne mette pas de l'eau limpide, mais juste de l'eau, de l'eau floue, de l'eau pas limpide. Pour quelle raison? Étant donné que dans l'eau limpide, on voit on peut voir son visage. D'accord? Si vous prenez une belle flaque d'eau où l'eau elle est propre, vous allez pouvoir vous voir dedans. Et alors là, de nouveau, on va craindre qu'il y ait aussi un rituel comme ça, d'égorger, de faire une shrita à soi-même, ou plutôt à la forme des humains, je sais pas, les deux avis qui sont apportés. De nouveau, j'ai pas vraiment percé le truc, parce que ça me parle pas, j'arrive pas à comprendre comment ça marche, et j'ai une limite, j'ai pas tellement rentré dans la tête des idiots, ou de peur de devenir moi-même bête, d'accord, donc je me fixe comme limite que, bon, ils ont des rituels pareils, je répète ce qu'il y a écrit, mais, donc, d'accord, peut-être c'est une manière de se servir,
Donc il faut que l'eau soit forcément brouillée, floue. Ensuite, avancez Gouma. Non, si, donc on a un problème technique. Imaginez, vous avez à l'époque, on dégorgeait le poulet encore, c'était très fréquent à l'époque, avant le frigidaire, avant le congélateur, on pouvait avoir de la viande constamment dans son congélateur. Alors il y avait plein de gens qui savaient au moins égorger les poulets, même les moutons de plus. Donc ils avaient toujours des poulets chez eux ou des trucs. Et de temps en temps, qu'ils avaient besoin de viande, Shabbat arrivé, on faisait la shrita. Il y avait encore, je sais pas, ma mère me raconte qu'il y avait, à l'époque, il y avait Rav Matzilah Mazouz quand il venait en France. Il y avait Mérite qui venait spécialement chez ma grand-mère. Et allez, à Shalom. Et pour manger, bon, il mangeait ses ailes, mais de nouveau, pour les poulets, c'était lui qui faisait sa propre shrita. Il sortait son couteau, il faisait la shrita de ses poulets, et lui, il lui donnait à cuire, il le faisait cuire, il lui donnait à manger. C'est encore fréquent, encore avant l'usage tellement répandu du frigidaire, eh bien, beaucoup savaient faire la shrita. Maintenant, où on va faire une shrita? Ça fait du sang, ça peut attirer des mouches, c'est désagréable, ça va attirer des chats, des rats, je sais pas. Alors, il y a une solution simple, surtout si on doit égorger à l'intérieur chez soi à la maison. L'hiver a commencé, on peut pas le faire dans la cour, il fait des trucs, donc on a envie d'égorger chez soi. Un système pratique, c'est de creuser. Ah, il y avait pas j'imagine à l'époque, il n'y avait pas encore des sols. Revêtus, quoi. Enfin, ils avaient la terre chez eux, de la terre battue. Donc en fait, on fait un petit trou chez soi, on égorge le poids à l'intérieur, c'était une bonne solution. Le problème, c'est que la Mishnah nous l'interdit. Alors, quelle solution on a? La Mishnah nous propose, eh bien, aval osé uguma betor beto bishvil shikanes adam betocha. Par contre, je t'interdis de creuser, je t'ai pas envie de creuser et de mettre de l'eau. Disons que t'as pas envie de mettre de l'eau dedans, il va avoir de la gadou. Donc même ça, tu veux pas le faire. Alors j'ai une autre solution. Tu fais une guma betor beto, tu fais une crevasse chez toi à la maison. Et tu égorges. Alors, je traduis d'abord les mots, après on explique. Bishvil Sadam Netocha, de manière à ce que le sang va pouvoir couler jusqu'à là-bas. C'est-à-dire qu'en fait, tu fais ta crevasse, mais tu égorges pas dans la crevasse. Tu égorges à côté et le sang va dégouliner pour arriver ensuite dans la crevasse. Ok? Là, c'est encore une deuxième solution. Donc en fait, si je veux résumer, j'ai maintenant dans ma maison, chez moi à la maison, j'ai deux solutions comment faire. Si je veux faire la shrita à l'intérieur de la maison, dans la cuisine par exemple, eh bien, je creuse et je mets de l'eau dedans. Première solution. Deuxième solution, je creuse et j'égorge à côté, je laisse couler. Mais ça, je le fais que à la maison. Parce que, ou bashuk, l'eau yase ken. Si on est au marché, eh bien, on ne pourra pas faire cela. C'est-à-dire, on ne pourra pas faire la crevasse et faire la shrita à côté de manière à ce que ça va couler ensuite. Pourquoi? Shelo yechake et aminim, afin qu'il ne va pas. Alors, en hébreu moderne, on traduit les chakot, c'est imiter, afin qu'il ne va pas imiter les goïms. Mais en fait, ce que j'ai découvert, c'est extraordinaire ce que j'ai découvert. Moi, j'adore ça, trouver l'étymologie de l'hébreu moderne dans la Mishnah pour découvrir à quel point ça a été modifié et mal fait, quoi. En tout cas, les chakot et, aujourd'hui, on veut dire imiter quelqu'un. Comme ça serait bien l'hébreu moderne. Mais dans le Regal El Bartanora, la chan yichake, la chan chok, c'est se conduire selon les règles. C'est-à-dire, quand je dis que tu imites un singe, ça veut dire en fait que tu adoptes les conduites du singe. C'est ça ce que ça veut dire le mot l'echakot et. D'accord? En tout cas, shelo yechaket aminit, qui ne se conduisent pas selon les mœurs des minimes, des païens, des sadducéens, comme ça se traduit, c'est les tzedokim. En tout cas, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de retenir la halakha. Cette fameuse crevasse où tu égorges ensuite à côté et que ça coule dedans, tu te permets de le faire chez toi à la maison. Parce que celui qui va te voir, il va comprendre que bon, tu n'as pas envie de salir ta cour, c'est pour ça que tu ne le fais pas dedans. C'est pour ça que tu as fait cette crevasse. Tu n'as pas envie de salir ta maison, c'est pour ça que tu fais la shrita à côté, de manière à ce que ça va couler dedans. Et ensuite, comme ça, tu vas pouvoir recouvrir et que ça ne va pas te salir. Mais si tu fais ça dans un lieu public, alors on va soupçonner qu'en réalité, on fait partie de la secte des minimes qui égorge, qui réceptionne le sang pour ensuite venir manger à côté et faire le rituel bizarre de libérer l'âme qui est enfermée dans ce sang, je sais pas à quoi ils pensent. En tout cas, donc tu n'as plus le droit de le faire sur la voie publique. Mais chez toi à la maison, tu as le droit de le faire et il n'y a pas de problème de. Vous savez, il y a une règle dans le maritime. Maritime, quelque chose que je n'ai pas le droit de faire en public de peur qu'on me soupçonne. Alors même quand je suis tout seul chez moi à la maison, je n'ai pas le droit de le faire en théorie. Comme ça pour la plupart des halakhot. Sauf, il y en a ici une exception à la règle. Quand je suis chez moi à la maison, j'ai le droit de creuser et d'égorger et de faire couler le sang à côté de manière à ce que ça me coule dedans. Mais la même chose, j'ai plus le droit de le faire sur la voie publique. Parce que sur la voie publique, et il y a une raison pourquoi c'est différent. Parce que sur la voie publique, celui qui va me voir, il va dire « Ah,
c'est un vide. Il va me soupçonner. Mais quand on va me voir faire ça à la maison, on va comprendre que je ne suis pas un vide. On va comprendre que j'ai tout simplement pas envie de salir ma maison. Donc dans ce cas-là, il n'y a plus la raison de craindre qu'on appartient à la secte des minimes. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui. C'est toujours une pleine de la Slachakol, tout ça.